Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Hop, ça compte pas, si ça compte. Et on va taper quelques elfes. Ah, ils sont tous... Bon, allons-y. Hop, les... Bah alors, vous êtes tous ensemble, les mecs. Nous, on va faire un petit coup de marteau classique. Pour le fun, histoire de se mettre dans le bain. Hop, boum. Tu es mort. Armure décuplée. Ah, armure x2. Oh la vache, armure x2, carrément. Bien fait de mettre du saignement. Boum. Flèche barbelée. Ok, on y retourne. Je profite du saignement. Je profite du saignement. Ce qui serait pas mal. Boum. Et on l'a eu. Parfait. Et ben on s'en sort plutôt bien. Hop, sur les cadavres de l'espèce. Un vieux gant de baseball. Peut-être des choses dans le coin derrière, non? Un iPad. D'accord, l'objet de quête. Ah oui, l'objet de quête qu'on devait retrouver pour Kevin, tout à fait. Le mec qui est fan de Star Trek. Qui est habillé en Spock, littéralement. Ok. Je peux pas ouvrir par là. Ok. Voilà. Remettons les lumières en ordre. Voilà. On va ouvrir la porte de gauche, pardon. Hop. Voilà. Parfait. Ici, nous trouverons donc l'aise pour Jouvenceau. Oh putain. Je vais rien dire. Je vais essayer de rien dire plutôt. Saint-Pierre, oh putain, oh non mais... On peut pas. Comment ai-je pu oser faire ça? Ok, ici je peux taper, non? Là non plus, ok, bon bah on s'en va alors. On s'en va. Ah oh, ça me rappelle tellement l'épisode de la mort de Kenny. C'est d'une tristesse. Ok, la suite. En plus, il devrait y avoir un camp normalement de SDF pas loin. Y'a un gamin aussi. Hop. Une perruque. Bah, tu serais resté là toute la fin de ta vie. C'est tout. C'est tout. Lune de soleil ordinaire, perruque négligée, d'accord. Faut pas le casser? Ah, ça y est. Oh. Et voici, là on devait mettre notre dernier détecteur d'amour sport, tout à fait. On va retrouver d'autres SDF, ce serait cool. Apparemment, c'est pas le cas, je ne retrouverai pas. Normalement, on est à l'école, voilà, tout à fait. Tiens, bouffe. Je me demande c'est quoi le clic droit. D'accord. Ok, il n'y a pas de clic droit. On est dans l'ambiance. Boum! Il repart chez lui. Hop. Et un petit dernier coup. Allez, Butters. Boum. Parfait. Oh, Jésus. T'inquiète pas, on va bientôt rencontrer Jésus. C'est d'une tristesse quand tu penses à ça. Salut. Non, bon bah d'accord. Salut. Non, bon bah d'accord. Y a pas genre un...
Non, je crois qu'il y avait un Shin Pokémon dans le coin. Là, on va rencontrer nos amis les Emo. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait pas d'ailleurs un style Emo, un truc comme ça. Je croyais pourtant. Ah, je croyais, c'est rigolo. Je suis persuadé que j'avais acheté un truc démo genre perruque. Voilà, déjà. Oh, salut tout le monde. What goth kid walks around in those clothes? We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. I see only Duff and Kay. You are rotting corpse. Ils sont cons. Ils sont tellement cons. J'ai pas acheté toutes les fringues alors? Fallait acheter toutes les fringues? Parce que. Enfin. Blablabla. Il avait des fringues peut-être de. on va quand même. On va retourner le voir, on verra bien. Tiens, apparemment j'ai une quête directement ici. Ah non, c'était le drapeau, je suis con. Je suis complètement con. Je suis complètement con. Ok. Timmy. Timmy. Prévenez Algor, effectivement. Utilisez la cloche de vache pour trouver et vaincre la vache. Café chaud sur les drapeaux. Et puis on. Café chaud sur le labo de crack pour qu'on recherche. Nye. J'ai pas fait tout ça. Faudra que je retourne voir ça. Ah 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 ah. Oui, il est juste à côté le papy, non. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? I'll give you a good price. Ok, donc non, niveau style peut-être. Eyeliner noir, j'avais peut-être pas pris, effectivement. Pour le reste, oiseau mort. D'accord. Bon, on a dû prendre tout ce qu'il fallait, hein. Par principe, on va équiper... Eyeliner noir. Voilà. Et donc on avait oublié des choses apparemment. Journal de quête, carte. Chasse au gros gibier. Ah, on pourrait le faire, tiens. On pourrait aller le faire, la chasse au gros gibier. Ça peut être sympa. Allons-y. On a un gros combat à se faire. Ça peut être cool. Allons-y. Où est la reine des vaches? Le roi des vaches. Je sais plus c'est quoi. Qui va venir. Retourner voir Jimbo. What? C'était juste ça? Carte, ok, pourquoi pas, hein. Donc ça, je l'avais pas fait. Ah, par contre, j'ai pas le point... J'ai pas de point de TP. Ah oui, je suis con, j'ai pas de point de TP parce que j'en ai pas devant moi. Exact, exact, exact. On peut pas encore aller jusqu'au poste de frontière avec le Canada. Ça, c'est certain. On va aller voir chez Kenny. Alors, j'avais pas récupéré le contenu du coffre ou n'importe quoi. Il y avait pas un truc justement que je devais être censé récupérer et que j'avais récupéré. Le colis. Le colis, le colis, le colis. Je sais pas, non, il n'y a pas censé y avoir un truc que je suis censé récupérer quelque part. Non. À moins que c'est ça le colis. C'était ça le colis. Ok, d'accord. Oui, j'avais remarqué la dernière fois, mais j'ai pas percuté. D'accord. Carte, du coup, ici. Trouvez un endroit pour poser votre saucisse sèche. Ça va être ici. Hop là, viens te battre, vile créature. 510 points, la vache. Tiens, bouffe 3 saignements dans le nez, ça te fait du bien. Hop. Raté, trop tôt, dommage.
Ah! Il m'a fait des choses! Il m'a fait des choses, vengeance! Vas-y. Il reste combien de points? 91. Il devrait mourir bientôt. Boum! Hop, et il meurt. Voilà. La puissance du saignement, c'est un truc de fou. Ok, parfait. Donc cette quête là aussi, elle est faite. Salut des drapeaux, café chaud. Oui bah oui, il y a encore le temps. Il me reste quelques gamins à trouver, cela dit, et je ne vais avoir du... Je pense que j'aurai du mal à les trouver, honnêtement. Et il me reste aussi un point à trouver, on pourrait chercher le point aussi, ce serait pas mal. Est-ce qu'il est affiché sur la map, au fait? Apparemment, il n'est pas affiché. Pourtant, j'imaginerais dans ce coin-là. Peut-être au niveau du City Hall. Les égouts, c'est pas pour tout de suite, je pense pas. là, il y a chez Twi... on va aller voir au café. On va aller voir au café, puis on va pas s'embêter. Hop. Résolvez l'épineux problème. C'est quoi, cette histoire? D'accord, oui, bah c'est tout simplement ça. Ok, voilà. C'est bon. Ça, ça va être fait. Crac. Au passage, on pourra reparler à Alger. Excuse me. Oui, bonjour madame. Non? Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va s'occuper de Tweak, et après on va aller voir à la... À la base de l'homme ours sport, anti-homme ours sport. Homme ours sport, j'arrive à le dire. Yo. Non? Non, pas yo? Bon bah d'accord, ok, je me barre. Tweak! You got the pickup! Oh, thanks man! Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here! Hmm, yep, that's good shit. Alright, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Ce n'était que du café. Ce n'était que du café. Clé de tweak. Clé de tweak, ça me dit vaguement quelque chose. Oui, c'est là-bas. Imagine que c'est ça. Gants de religieux, robe de religieux. D'accord. Tout l'équipement du religieux, en fait. Dommage qu'il n'y ait pas la capuche ou un truc dans le genre. Voilà, à gauche, s'il te plaît. You will never get laid looking like that, kid. Non, je crois qu'il y avait un truc qui apparaissait. Ok. On va aller voir la base de l'amour sport. You story. Le message de Tweak. Je crois que c'est ici. Ouais, voilà. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Oui, monsieur, je présume. Super secret, keep out. D'accord. Ok. Bon, y'a rien d'autre à récupérer, c'est embêtant. Mais pourquoi pas. Donc pour nous rendre sous terre, de mémoire. Alors là, il y a Token aussi à aller récupérer, c'est vrai. Pour nous rendre sous terre, il faut aller là. Pourquoi j'avais un point? Tiens, c'est marrant, regarde. Non, il y avait le point. Attendez. Non, c'est moi qui dis des conneries. C'est moi qui dis des conneries. Donc là, on va aller sous terre. Hop, Men Workings.
Et on trouve le cinquième gamin normalement. Fumer told me to pick that spot. Pretty good, huh? Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Je ne peux pas y aller. Vous voyez, je peux pas passer là. Je ne peux malheureusement pas passer là. Ce qui fait que du coup ça me bloque dans la progression de plusieurs choses. Cela dit, il me manque un point, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait trouver ce point. Là, il y a chez les flics. Pas de point. Là, ici, je l'ai déjà eu. Là-bas, c'est un cul-de-sac. Ça, hein, c'est un cul-de-sac, on ne se trompe pas. Hein. Je croyais qu'il y avait des rats devant. D'accord. Allez, voilà, oui. Bon, de ce côté-là, du coup, on est coincé. On va quand même passer par là. Sur le principe. Puis par là. Repasser devant l'école. Rebuter ces mecs. On arrive, voilà, c'est bon. Si on arrive à les frapper, hop. Nous refaire un petit peu d'XP. Hop. Non, je peux pas les frapper tous les deux en même temps, c'est dommage. On va plutôt frapper celui-ci parce que l'autre va mourir de son saignement. Hop, voilà. Et il meurt. Il est véritablement mort en fait. Ok, on prend l'argent. Hop. Sorry, I've already got friends. Est-ce qu'on est suffisamment bien habillé ou pas? Est-ce qu'on est suffisamment bien habillé pour eux ou pas? Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k. What goth kid walks around in conform somewhere else, kid. We don't hang with conformists. Go conform somewhere else, kid. We don't hang with conformists. Don't give me stuff to look like me. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? We are born. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Mais ils vont pas de fringues, ils vont que des... Bon. Dommage. Hop, voilà. On va partir par là. Tiens, on n'est pas passé ici. Ah, potentiellement, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on va y trouver notre... Ok, il n'y a rien par là. Notre dernier point. Ça pourrait être sympa. Il y a un Shin Pokémon là-bas. Entrons dans le magasin, Non, pas dans le magasin, dans le... Ah bah non, c'est fermé. Ok. Bah allez vous faire foutre. Hop. Là, c'est chez nous. En règle générale. Du coup, bah quête. Ça, je peux pas. Ça, j'aurais dû aller retourner voir Jimbo. C'est vrai que c'est dommage. Et lui... Exact, exact, exact. Vulcain, bah justement on est juste à côté, c'est parfait. C'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Yo. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. Bon, missile de ralentissement. Fait moins de dégâts que le mien. Bon, de toute façon, je préfère mon truc à saignement que le sien. Pour l'instant, en tout cas. On va retourner prendre le point de téléportation. On va aller voir Jimbo. Avant ça, on va quand même regarder vite fait ce qu'il y a d'autre comme truc à faire sur la map, comme chasse, si je puis dire.
Ça faut être à l'intérieur, je pense. Ça faut être dans les égouts. Ça, je crois qu'il faut aller sous terre aussi. Là, faudra aller voir Token. Et là, faudra remonter. Donc, on va aller voir Jimbo. On va pas s'embêter, on va aller directement les voir. Leur magasin est ici. Du coup, nous, on va aller là. Hop, et une fois qu'on sera allé les voir... Tiens, d'abord, on va aller au City Walk. Hop, par principe. Par principe. Bonjour. Ah, j'ai pas le droit de me battre. J'ai vraiment pas le droit de me battre. C'est embêtant. Bon, mec. Alright, welcome to Shitty Walk. Take all the prize. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh, Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. Not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian. Oh putain. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian C'est violent. Kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Ridge's. Bref, donc il faut qu'on aille buter des gens. Bon, c'est pas nouveau, hein. What are you looking at, pussy? Hop. This elf is gonna fuck you up. Ah. Hop les. Je vous ai eu tous les deux. Yo dog, can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Boom. Et boum. Ça, ça c'est bien quand même. Expérience plus 12. Des espèces. Encore. J'avais vu les prix des armes à la fin. Hein. Chez Jimbo. Hop. Alors, on va aller voir ça. Salut Jimbo. Nice work. I remember when I bagged my first dog. This was real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. As far as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. I have no words. I can't wait to see what you kill next. Sympa. C'est sympa. Masque à gaz, ça m'intéresse pas. Et là, j'ai pas le niveau. Ah, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Super katana, mais il doit être épique en plus, ce katana. Ok. Ceinture d'armes, j'ai toujours pas le niveau. Patch pour costume, j'ai pas le niveau non plus. Ok, bon bah c'est la fuite. Hein. Eh bien écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, de votre lien en arrière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo.